Exactement. C'est ça. Ok, d'accord. Il faut parler de ce truc vachement secret. Ah d'accord, ok, donc le nouveau. Ah bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Comment que ça va-t-il? Est-ce que vous nous entendez déjà? Déjà, pour commencer. Ça se trouve en fait. Oui, parce que la barre elle tape, donc ça va. Alors ton colis Victor. Ah oui. Pour ceux qui ne savent pas, merci UPS au passage, je vous adore. Il devait livrer un truc hier. Et tu sais qu'il y a eu plein de choses hier, donc on ne peut pas parler, mais là, il y a eu plein de choses qui m'ont changé. Donc j'étais stressé pour ça, pour mon colis, la vidéo qui venait de sortir. Et finalement, il est arrivé ce matin, alors qu'il m'avait marqué que ça arrive aujourd'hui. Et voilà, je vais vous le montrer, et ensuite on passera aux vraies news, tout ça, vous savez. Voilà. Hop là, voilà, elles sont arrivées. Elles sont sublimes. Elles sont parfaites. Bon! Les chaussures de retour le fil, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, on est d'accord. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes déjà 125, 130, voilà, ça ne fait que monter. C'est pas mal. Bonjour Arnaud. Bonjour Victor. Arnaud qui est donc le lead développeur de chez Shadow. Je suis Victor Limoin, le host de cette émission, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Oui, vous voilà. Pas être beaucoup quand même. Oui, c'est bien de le répéter, sait-on jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de quatre sujets qui sont différents. Nous avons, d'ailleurs vous l'avez dans le titre, mais on peut toujours le préciser. Nous allons parler donc du micro, nous allons parler des controllers, des manettes, du launcher box et même du launcher de manière un peu plus large. Large. Et enfin, on terminera sur la mise à jour Copperfield, et plus précisément sur le Quick Menu, qui est déjà disponible sur Box V1. C'est ça? Non, Mac. Sur Mac, voilà, qui est disponible sur Mac, et qui sera disponible normalement sur quasi tous les supports fin de semaine, semaine prochaine. Copperfield sera sur tous les supports, voilà, ça, oui. Sur la Box V1 et sur Mac déjà. Le Copperfield va arriver sous Windows lundi. Donc, tous ceux qui ne sont pas allés en bêta, on va le répéter. Allez-y. Allez en bêta. Vite. Vite, parce que c'est lundi. Et après, la Ghost, ça devrait arriver courant juillet pour la version Copperfield. Voilà. Après, pour le Quick Menu, oui. Ça viendra par la suite, puisque pour la Box et pour la Ghost, il y a un peu plus de travail pour le Quick Menu, tout bonnement. Mais, voilà, mais donc, normalement, à part sur la Ghost, le Quick Menu doit arriver d'ici la semaine prochaine, deux semaines, quoi, à peu près. Ouais, non. Copperfield, partout, d'ici, ouais, on va dire, au mois de juillet pour la Ghost. Et l'overlay, faut que je regarde. Donc le Quick Menu, faut qu'on regarde. Voilà, le Quick Menu, on en parlera plus en détail, mais qui est un peu le remplacement, on va dire, du JPP. Du contrôle panel. Voilà, du contrôle panel, voilà, tout à fait. Exactement. Bon, commençons par... ça va l'équipe, ça va très très bien. Ça va très très bien. On va commencer donc par le micro. Alors, c'est moi, on n'entend rien. Non. Vous nous entendez bien, rassurez-nous, avant qu'on commence à discutailler. Je peux augmenter un peu le micro, si vous voulez. Hein. Ah bon, c'est toi. Tu me le sens. Bon, ok, je pense que c'est... C'est bon ? Très bien. C'est un geek de luxe qui a très bien, très bien. Aujourd'hui. Je vais légèrement augmenter quand même, histoire de le volume du micro, mais point trop d'infos. Voilà. Bon, donc nous disions le micro. Alors, le micro, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, tout à fait. Sur le micro, parce qu'on avait eu quelques problèmes par le passé avec le micro. Ouais. Ça va quand même beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Tout ce qui était grésillement, tout ça, ça s'est largement amélioré. Oui, c'est juste maintenant la configuration le problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu entends par la configuration du micro, précisément pour les gens qui ne... Parce qu'il y a des gens comme moi, par exemple, qui ne configurent jamais leur micro et qui ne savent pas de quoi tu parles. Quels sont les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec le micro encore? Alors, pour le micro, en fait, la problématique, c'est qu'on doit pouvoir sélectionner le bon micro en local, l'envoyer et après dans le Shadow pouvoir le connecter. Et la deuxième problématique, c'est que des fois on confond le micro en USB over IP et le micro branché par Shadow. Et c'est vrai que ça peut être un peu confusant à la fin, puisque c'est vrai que ça fait beaucoup de configurations différentes. Et donc notre objectif, c'est qu'on avait fait un tuto il y a quelques mois, et le tuto au final, on se rend compte que si on le suit, il marche bien, mais c'est vrai qu'il est compliqué. Et en plus, on avait un problème on avait différentes sources de problèmes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence vraiment à solutionner les problèmes un par un. Le premier, c'est dans le Shadow. Déjà, il y avait potentiellement un problème sur les différents échantillonnages du micro. Donc ça, on l'a fixé. Maintenant, ça va arriver bientôt en production. Il n'y aura plus qu'un seul échantillonnage, donc il ne devrait plus avoir de problème sur les différentes qualités échantillonnages du micro qui pourraient poser problème premièrement. Deuxièmement, par défaut, il n'est pas activé dans le launcher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer. Pourquoi on ne l'active pas par défaut? Parce que ceux qui ont des petites connexions, si on l'activait par défaut, ça consommerait trop de bandes passantes. Et donc, du coup, ça dégraderait l'expérience. Du coup, le son pourrait couper, ça pourrait grésiller, ça pourrait poser des problèmes. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le micro par défaut uniquement en fonction d'un débit. Donc, quand vous ferez votre test,
au final, ça déclenchera ou pas le micro. Troisièmement, après, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le bon micro dans le menu pour pouvoir le sélectionner et après l'avoir dans le Shadow. Et donc ça, on va utiliser justement le Quick Menu pour pouvoir ajouter, bah, comme sur Skype en fait, hein, tu sais, t'as déjà fait ce genre d'outil où c'est jamais très simple en fait au final de sélectionner, où on est toujours obligé de sélectionner le micro. Bah là, on va faire pareil, puisque nous, on ne sait pas exactement si vous en avez plusieurs. Souvent, il y en a un qui est par défaut dans la machine, que vous utilisez rarement au final, parce que vous en avez un autre à côté. Donc l'idée, c'est que vous puissiez sélectionner quel micro vous voulez utiliser. Voilà. Et après, il faut voir que dans la machine aussi, des fois, le micro, il est coupé. S'il n'est pas sélectionné, du coup, il est complètement coupé. Donc, du coup, vous avez l'impression que ça ne marche pas. C'est juste que ce n'est pas le bon micro dans la machine qui est sélectionné. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous laisser choisir le micro dans le Quick Menu. Comme ça, vous pourrez brancher facilement le micro. Vindex qui nous dit, ouais, la question, c'est pas celle-là, c'est la question de Sinza. Va-t-il être possible d'utiliser un micro USB avec un faible upload sur la box comme pour le jack? Parce qu'il faut, il faut aussi préciser que le micro à la base, même si on l'améliore tout le temps, ça prend un certain, ça prend quand même de la connexion. Il vaut mieux l'utiliser, parce que quand vous l'utilisez en USB, il y a de fortes chances que l'USB envoie le flux complet du micro, si vous êtes en USB over IP. Donc j'aurais tendance à dire, si vous avez une petite connexion, surtout pas utiliser l'USB over IP, parce que ça devrait consommer plus, mais plus utiliser le micro par Shadow. C'est-à-dire qu'en fait, utiliser le micro local, brancher le micro localement sur la machine, et après, laisser Shadow streamer le micro vers le Shadow, puisque nous, quand on le stream, on réduit le flux pour que ça passe à travers vos connexions. Donc, clairement, si vous avez une petite connexion, préférez plutôt le micro Shadow. Donc, il faut juste aller dans l'option Enable Microphone, d'accord, dans le launcher. Et automatiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le micro que vous avez sélectionné dans le local. Donc là encore, à l'heure actuelle, c'est manuel, mais à l'avenir, vous allez l'avoir dans le Quick Menu. Et pouvoir sélectionner quel micro vous voulez utiliser. Donc, si, voilà, pour ceux qui ont une petite connexion, on va le refaire étape par étape. Voilà. Donc, si vous avez une petite connexion et que vous voulez utiliser le micro, étape 1, branchez votre micro à votre PC local. Vérifiez qu'il marche en local. Et déjà. Non, c'est tout bête. Faut vérifier le bon niveau. Sûr. Même nous, voilà. quand on se connecte là, on vérifie à chaque fois avec Victor que le micro, un coup sur deux, on vous demande si on nous entend. Donc, oui, le aussi micro ça. De base, c'est pas simple dans tous les cas. De toute façon, même déjà. Nous, je veux dire. Ça nous arrête de nous tromper. Donc vérifier en local déjà qu'il fonctionne bien. Ça, étape 2. Étape 3. Étape 3, lancer le launcher et activer le micro si ce n'est pas déjà fait. On marque activer le micro dans les options. Voilà. Étape 5. Démarrer votre Shadow et voilà, normalement ça devrait marcher. Voilà. Voilà. Je pense que c'est. Voilà. Donc ça, c'est vraiment si vous avez une petite connexion. C'est important. Micro, tu as autre chose à dire ou pas? Non. Très bien. Alors sur la Ghost, il est détecté. S'il est détecté sur la Ghost, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand vous branchez la partie micro, on le détecte et donc du coup, on l'envoie. The Room, alors, on allait enchaîner sur la manette, donc je pourrais répondre directement à ta question, The Room 21. Je vais vous dire qu'il y avait déjà eu des tests pour utiliser une manette sur le Shadow iOS, c'est concluant, c'est facile à faire. La mise à jour iOS 13, comme vous le savez sans doute, va supporter les manettes non MFI, donc non made for iPhone, comme les manettes d'Xbox, de PlayStation. Ce sera aussi supporté sur Apple TV. Ça ne supporte toujours pas, cependant, la souris, je crois. Peut-être sur iPad, je ne suis même pas sûr. Enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour ce qui est des manettes, nous avons déjà fait nos tests en interne. Ça fonctionne déjà très bien. Donc, il y a une forte chance, une très forte chance même, que le jour où iOS 13 sort et est mis à jour sur vos appareils, Shadow sera mis à jour et supportera aussi les manettes sur iOS. Voilà, donc on a testé sur iPhone et iPad, ça fonctionne très bien. Il me semble qu'il faut qu'on pousse encore un peu les tests sur Apple TV. Ouais, c'est ça. Parce que c'est plus une question de flux et de machin truc. Oui, et puis après, il faut les différentes bêtas, voilà. Il faut les passer à chaque fois. Mais donc oui, les tests sont extrêmement concluants pour le moment. Passons donc maintenant au justement. Ah, ouais. Une question intéressante de Jevlon38. Si on branche le micro, après avoir lancé le stream, on pourra l'utiliser sans redémarrer le stream? Pas au début, dans la première version, effectivement, c'est une très bonne remarque. On fera faire d'abord une première version où on prendra les micros qui sont détectés au démarrage. Et après, dans la prochaine version, on fera un système qui viendra lister les micros. Pourquoi on ne fait pas ça tout de suite et pourquoi on ne liste pas les micros dès la version 1? Premièrement, parce que déjà, ça vous permet de faire une première livraison et que vous puissiez déjà tester. Et ça, c'est quand même super intéressant. L'idée, c'est d'essayer de vous fournir les fonctionnalités au plus tôt. Et deuxièmement, pour certains, on doit toujours faire en sorte d'utiliser le moins de CPU en local, puisque certaines configurations
ont des très faibles CPU, qui fait que ça marche très bien pour Shadow, mais du coup, si en local, on commence à faire trop de choses, potentiellement, il peut y avoir des problèmes pour le listing des micros, tout bonnement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on le fait au fur et à mesure et qu'on veut vérifier qu'à chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité et qu'on vous demande un peu de ressources au local, à la machine locale, bah, que ça ne change pas l'expérience, ça ne dégrade pas votre expérience, tout bonnement. Ce qui serait quand même plutôt relou. Alors, maintenant, les manettes. Donc, je te laisse commencer aux manettes. Donc, manette Xbox, ce que je disais tout à l'heure. Alors, manette Xbox, c'est détecté comme une manette. Voilà, en fait, le driver qu'on a de manette dans le Shadow est un driver Xbox, tout bonnement. Et donc, du coup, dès que vous branchez une manette, nous, comme votre manette, c'est les branchés en local, on va la streamer et l'envoyer au Shadow. Sauf que le Shadow, quand il reçoit les informations, lui, on l'envoie à un driver qui est un driver Xbox. C'est pour ça que vous ne voyez que les Xbox. Moi, par exemple, sur ma Ghost, j'ai une manette PS4 qui marche super bien en Bluetooth. Mais sauf que quand je joue à Outer Wild, bah, il me dit appuyer sur, sur B alors que j'ai une PS4, donc ça n'a pas de sens. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, c'est juste que du coup, c'est comme une. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va au moins essayer de voir avec une nouvelle version si on peut avoir le mapping PS4 et Xbox, ok, détecté, pour pouvoir améliorer les manettes. Parce que, au-delà du fait que ce soit moins perturbant peut-être à voir, je suppose qu'il y a peut-être certaines touches PS4 qui sont peut-être pas prises en compte. Non. C'est quoi la différence? C'est juste le nom de la touche. D'accord. Donc en fait, donc ça sera affiché correctement. Oui, voilà. Très bien. Juste que le carré, rond, triangle, il y a marqué Y, B, X, A. Voilà. GTA, c'est la même. Un autre truc sur les manettes aussi, parce que tant qu'on vous tient là-dessus, si vous avez des manettes qui ne marchent pas sur Shadow, vous savez, alors je parle pas de votre Big Ben Turbo qui marchait quand vous étiez quand vous aviez 12 ans et que c'était sur PlayStation 3 ou PlayStation 2. Big Ben. Tu t'en souviens de Big Ben? Ah merde. Ouais. Tu sais la manette Turbo qui faisait que soit tu étais trop fort à Bomberman, soit elle marchait pas. Ah, Big Ben. Tu sais la manette que tu prêtais aux potes. Voilà, donc si vous avez des manettes, je pense notamment par exemple à... Alors, on sait par exemple qu'il y a des problèmes dessus, mais vous êtes tellement peu nombreux à l'avoir qu'on ne sait pas tant pencher dessus de ça, qui est la manette de chez Steam, par exemple, ou alors des manettes qui sont peut-être un peu plus exotiques, ou même parfois des devices comme par exemple des appareils comme par exemple, je sais pas, ceux qui font un peu de simulation de vol, ce genre de choses, machin truc, voilà. N'hésitez pas à nous remonter les informations. Ça ne veut pas dire qu'on va les traiter dans la seconde, évidemment, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de boulot sur d'autres différentes choses. Mais c'est toujours très intéressant à avoir, notamment sur des contrôleurs. Voilà, que ce soit les. Alors, je me rappelle plus, c'est la marque qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était des traces de chat, tu sais, là. Ouais. Voilà. Mais, donc, n'hésitez pas à nous partager ça, parce que c'est toujours très intéressant. La manette Google Stadia va-t-elle marcher sur Shadow? Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Que... Je ne sais pas, elle est spéciale, elle est Wi-Fi. Elle est spéciale. Elle est Wi-Fi. En fait, c'est un objet connecté, la manette. Ah, d'accord, je ne sais pas. Moi, je pense non, 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 c'est pour ça, c'est vraiment spéciale. Ah, bah, c'est une bonne question. Elle connecte directement avec les serveurs, elle ne connecte pas en fait. MatCat, merci, Idrej. Voilà. Vindex, ça m'intéresse beaucoup ton problème. Est-ce que tu peux contacter Paul sur Discord ou moi, donc Arnaud en orange, tout simple. Sur Discord, ça m'intéresse ton problème sur le microphone qui marche en officiel, qui marche pas en bêta, parce que c'est ce qu'on va pousser lundi, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement des personnes qui vont être affectées par ce problème-là. Donc envoie-moi, s'il te plaît, directement un MP sur Discord, Arnaud ou Paul, ça m'intéresse beaucoup que je puisse regarder ça. Ça marche les tablettes graphiques. Est-ce que ça marche les tablettes graphiques sur Shadow? Sur en USB over IP, il n'y a pas de raison. Mais ce qui me semble qu'il y a eu. Alors, on n'a pas fait beaucoup de tests de notre côté, mais le fait est qu'on a déjà eu des retours comme quoi ça marchait plutôt bien. Oui, en USB over. Par contre, il faut mettre en USB over IP. Voilà. Parce qu'on ne gère pas les tablettes Donc, du coup, à chaque fois que nous, on les gère, ça veut dire que c'est nous qui streamons le flux, et donc, du coup, on doit simuler à l'intérieur du Shadow le device. Nous allons donc passer maintenant sur la dernière partie des news. Ensuite, on partira sur le focus sur le Quick Menu. Et ne t'inquiète pas, Atiol, on te dira ce que c'est le Quick Menu et le Copperfield. Et juste une dernière question, désolé, sur la partie X-Manette, c'est important. Le dongle Xbox, Mr. Derios, pareil, envoie-moi un message privé, s'il te plaît, sur Discord. Je regarderai ce que justement, là, l'objectif, c'est de dongle, lister. Oui, c'est le dongle officiel qui marche pas, apparemment, de ce que j'ai compris. Le dongle officiel, d'accord. Et sur quoi? Sur n'importe quoi, Windows, Mac. Non, il a jamais fonctionné celui-là pour le coup. Ok, je vais regarder ça du coup. Mais sur la 360 ou la. Alors, ça, la One. Alors, je veux pas dire de bêtises. Envoie-moi un message privé avec tous les détails, ça m'intéresse. Je veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est sur la 360, je crois.
il me semble. Ah, mais je crois que je l'ai vu ce truc-là. Le dongle officiel, l'espèce de truc rond là. Oui, c'est ça. Où t'appuies sur le bouton. Mais j'ai si, pas réussi, dans le chat, n'hésitez pas à me confirmer que c'est bien la 3.6, c'est pas de la One hein, qu'on parle. Le harnais orange, il y a marqué Joyeux esclave d'Adelina. Enfin, voilà. Je sais quand elle partira d'ailleurs. Oui. Maintenant, donc, nous avons parlé du launcher. Je pense que par quelqu'un a oublié le mot de passe de je Discord. Pense. Et... c'est, en fait, c'est la plus haute autorité, donc voilà. C'est lui qui l'a créé. Donc, le launcher sur la Shadow Ghost. Que peux-tu nous dire sur ce merveilleux launcher? Eh ben, l'objectif, c'est. Oui, ça en SBVIP marche bien, mais il ne marche pas du tout quand il est branché en local. Je vais regarder. Merci beaucoup, Enoui. Mais je veux bien quand même tes infos. Vindex. Du coup, le launcher, on est en train de travailler du coup sur le launcher V4 sur la Ghost. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir, bah, comme on travaille sur l'unifié maintenant, c'est d'avoir la même expérience partout. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il n'est pas encore présent pour l'instant sur la Ghost. Non, c'est toujours le V3. Donc, du coup, on est en train de travailler sur la V4. On devrait l'avoir normalement ce mois-ci. Dimitri, si tu m'entends, code. L'objectif, c'est ça nous permet d'avoir une meilleure stabilité. Et pour ceux qui ont testé le launcher V4, du moins j'espère, ça rend le Shadow quand même plus stable. C'est-à-dire qu'on a moins ces problèmes de 3 sur 3. Merci d'avoir utilisé Shadow. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on veut le pousser maintenant sur tous les systèmes. Et nous, ça nous permet aussi de comprendre mieux avec ce launcher V4, avoir plus de métriques pour comprendre quand est-ce que ça ne marche pas, détecter les problèmes et pouvoir les comptabiliser. Et en fait, ça nous permet en fait d'attaquer les plus gros problèmes en premier. Ce qui est quand même important, bien évidemment. D'ailleurs, à propos du launcher global, tu me parlais donc quelque chose par rapport au démarrage de Windows. Ah oui, on s'était rendu compte que sur le démarrage de Windows, en fait, on voulait vraiment une expérience quand on clique sur Start Now, que ça se lance tout de suite. Et on ne comprenait pas, ça prenait un peu de temps. Et en fait, c'est des raisons de packaging, de lancement du binaire, donc à savoir le client unifié. Je sais que personne n'a compris ce que tu viens de dire. C'est pas grave. Si vous voulez de la technique, vous avez de la technique. C'est le client unifié qui est lancé par le launcher, d'accord. Donc le launcher, en fait, c'est pas lui le client c'est un petit truc caché. Et ben quand on lance ce truc caché dans votre ordinateur local, il met un peu de temps à se lancer. Et en fait, parce qu'entre les deux, il y a plein d'interfaces, donc des gens qui se parlent, plein. Et donc du coup, on a réduit énormément ça, et donc du coup, ça devrait réduire, je crois, moins de 2 secondes le lancement. Donc ça, cool. C'est assez cool. Donc en gros, c'est pas en production, mais en gros, ça va arriver en alpha et en bêta. L'idée, c'est qu'en gros, tu lances, t'as ton launcher, sur Star, tu démarres, ça t'arrive directement sur ton bureau Windows. Voilà, exactement. Ce qui est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Ce qui est plutôt très stylé. Alors, avant de parler du Quick Menu, je tenais juste à faire une petite aparté. Ça me tenait à cœur, j'aimerais bien que les gens le sachent. J'ai trouvé le t-shirt de Sid dans Toy Story. Et j'en suis extrêmement fier. Voilà, c'est tout. C'est je le cherchais depuis quasiment maintenant 10 ans, je crois. Oui, c'est pour ça que je suis quand même assez content de l'avoir. Quoi. Okay. Donc, alors, le Quick Menu Copperfield, on va répondre à Etiole. Alors, déjà, Etiole, qu'est-ce que. Mais okay. Oui, bah, en fait, je t'en parlerai après. D'accord. Il faut savoir que Copperfield, c'est le nom de la mise à jour, la nouvelle mise à jour de Shadow. À la base, c'est un livre oui, aussi, mais c'est surtout et c'est aussi le nom d'un grand magicien. Il faut savoir qu'en fait, qu'on fait une mise à jour un peu globale chez Shadow, on lui donne un nom de mage, de magicien, tout ça. Donc pour mise à jour. Voilà. Donc mage. Voilà. Jeu de mots astucieux trouvé par Yanis, il me semble. Il est très fier. Oui, très 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 fier. Copperfield, c'est ça. C'est le nom de la mise à jour. Le Quick Menu, qu'est-ce que c'est? Et en fait, vous savez, quand vous utilisez Shadow sur Windows, sur Mac, tout ça, vous avez cette espèce de petit logo Shadow transparent blanc, vous appuyez dessus, vous avez un menu. Le Quick Menu, c'est ce qui va venir remplacer. C'est même pas vrai en plus. Le Quick Menu, c'est ce qui va venir. Garcimor, moi, ce qui me fait rire, c'est Garcimor. Garcimor, qu'est-ce qu'il y a Garcimor? À quand la mage Garcimor? Décontrasté. Cette vanne, cette référence, personne ne l'a. Donc voilà, c'est ce qui va venir remplacer en fait le menu qu'il y a aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que vu qu'il est que sur Mac, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Et Windows en bêta. Hop, et Windows en bêta, tout à fait. On va vous montrer à quoi ça ressemble actuellement. Hop, réaction écran, on l'a juste là, c'est formidable. Donc, mais c'est Apex, ça tue le monde, Victor. Alors, vous voyez, on peut le voir juste au-dessus. Alors, ça sert à rien que je pointe du doigt parce que vous ne le voyez pas. Vous pouvez le voir là, juste au-dessus, en fait, vous aurez maintenant ce petit. Bouton transparent et quand vous appuyez dessus, alors est-ce qu'il y a une commande spécifique pour l'ouvrir Alors oui, Windows Alt O pour ouvrir. Merci. Ça se voit que c'est toi le chef des développeurs. Hop là, donc
Quand vous allez appuyer, alors on va peut-être arriver sur Settings directement, voilà. Donc quand vous allez l'ouvrir, alors là c'est en anglais, mais vous ne vous inquiétez pas, vous aurez la version en français. Vous arrivez sur cette petite chose, donc je vais juste te laisser expliquer un peu ce qu'on voit là tout de suite à l'image. Alors, ça c'est donc ce qu'on a, le design fait par le produit. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les statistiques. On est en train de travailler dessus, mais c'est en cours de développement. Donc la partie droite que vous voyez à l'écran n'est pas encore développée. Juste la partie gauche, donc du coup, vous avez trois onglets. Un onglet settings dans lequel vous allez pouvoir, bah, comme sur le JPP, pouvoir en jeu, juste en mettant cet overlay et continuer un peu à suivre ce qui se passe derrière, pouvoir changer 2-3 paramètres. D'accord. La liste des périphériques USB, pouvoir choisir ce que vous voulez envoyer dans le Shadow ou pas sur l'USB over IP. Et en bas, bah, changer le plein écran, changer le mode de souris, redémarrer le stream et éteindre. Voilà. Et un message d'aide dans lequel vous aurez tous les... On peut le checker de toute façon. Là, voilà. Vous aurez tous les messages, tous les raccourcis surtout. Voilà, petit raccourci. USB Peripherals, voilà, ce petit menu adapté. Moi, ce que j'aime beaucoup, hein, parce que c'est un truc qu'on nous a demandé, c'est le usage stats. Oui, mais il va arriver tout de suite. Comme ça, vous pourrez vraiment en fait, maîtriser et voir exactement qu'est-ce qui se passe avec votre Shadow, qu'est-ce qu'il faut modifier. Voilà. Donc, ce sera vraiment en, fait, en temps réel. Hein, qu'est-ce qui se passe dans votre machine. Ce qui est une demande qu'on a eue plusieurs fois et qu'on est donc très content d'avoir enfin fait là-dessus. Parce que c'est quand même plutôt cool. Alors, impact du CPU sur du Quick Menu, c'est une très bonne remarque. Demos, on a créé un mode qu'on appelle le mode rétrocompatibilité qui sert en fait pour les personnes qui ont des atomes ou des vieux dual core qui fait que ça consomme un peu trop de CPU en local et ça peut perturber l'expérience en local. Donc du coup, pour les très très vieilles machines, vous pouvez activer dans le launcher le mode rétrocompatibilité qui permet en fait de désactiver la partie du quick menu, tout bonnement. Pourquoi il me fait chier? Je vais me rapprocher, peut-être que le son sera moins faible si je me mets plus proche. Tu vois, je sais pas ce qu'il a, le... Je sais pas. Notre cher Chrome, mais... Ce que vous ne savez pas, c'est que Chrome est en train de bouger toutes les fenêtres, c'est très compliqué. Oui, parce qu'en fait, il y a Chrome qui veut pas me réouvrir ma fenêtre de Twitch, c'est pas grave, c'est un détail. Voilà, donc ça c'était donc pour la partie Quick Menu. On va donc pouvoir passer maintenant aux questions, donc allez-y, on vous écoute. Il sera possible d'avoir un test de bande passante sur le menu d'accueil de la Ghost? Oui, il n'y a pas de raison. Très bien. À quand la partie social de Shadow? On travaille toujours dessus. Toujours dessus. Mais encore une fois, ça demande beaucoup de travail pour être sûr que ce soit tout carré, tout parfait. Et pour info, le Quick Menu était une des étapes nécessaires, tout comme l'unifié, pour arriver vers ça. Donc on y travaille toujours, c'est juste que ça prend beaucoup de temps et qu'on a ça les étapes. La première étape, c'est le client unifié. Ensuite, ça va être le Quick Menu qui va arriver. Ensuite, ça va être le nouveau streamer qui va arriver cet été, qui tourne vraiment apporter pas mal de fluidité. Et qui va permettre de pouvoir amener cette partie sociale. Donc voilà, on avance étape par étape. Et est-ce que l'overlay pourrait être enlevé si on active l'option rétrocompatibilité, mode rétrocompatibilité, tout bonnement. Avez-vous des nouvelles pour le stockage? Non, pas pour l'instant. On y travaille. On y travaille, bien. Mais encore une fois, le hardware, croyez-moi, voilà. Il y a une équipe au développement qui ne fait que ça. Voilà. Quand je dis que ça, c'est que ça. J'ai encore reçu des machines aujourd'hui, on ne fait que ça. Et bien évidemment, dès qu'on aura la moindre nouvelle, vous serez les premiers informés. Vous le savez de toute façon. Si on ne vous en parle pas, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On sait dire qu'on bosse dessus. Manu va bien, il est débordé, il court partout, il est fatigué. Oui. Mais non, il va bien. Fatigué mais heureux. Oui, fatigué. Mais il est très très occupé et vous saurez sans doute pourquoi. Très bientôt dans les semaines, si ce n'est le mois qui arrive. Pourquoi après quelques minutes sur Twitch ou YouTube, il y a un décalage son-image? Ah, ça normalement, ça ne va plus arriver. Donc si ça t'arrive, contacte-moi sur Discord. Merci beaucoup. Combien consomme Shadow par mois en électricité? C'est ridicule. Il y a un utilisateur qui a fait le test il gagnait énormément par mois. J'ai pas du tout le. Par mois, c'était 5-6 euros, je crois, minimum de gagner. Facile. Donc, si ce n'est plus, parce que si tu prends la. Mais c'est vrai que Tu prends la Ghost, elle consomme vraiment rien du tout. Hein. Oui, alors qu'un PC Pro avec une 1080, quand tu fais tourner, ça consomme pas mal.
Le passage entre différents. C'est vrai qu'on en parle pas, ça réduit vachement ouais. Le passage entre différents, les différentes applications iOS vers Ghost ou vers Windows est compliqué. Une idée de pourquoi ? Ah, par exemple, quand tu passes de l'application directement. Qu'est-ce que tu veux dire par compliqué, oui, ce petit 40 ? Essaie de préciser un petit peu ça. Avec Shadow, il est possible de stream Twitch plus YouTube sans perte de fluidité. Alors, de mon expérience personnelle, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Je n'arrive pas à configurer OBS sur le Shadow. Ça, malheureusement, ça ne vient pas du Shadow, je crois, ASICS TV. Si tu streams... Le monde de Shadow Maker, oui, honnêtement. Tout à fait. Les Shadow Makers, c'est une super communauté, voilà, et ils maîtrisent ça bien mieux, voilà, que nous. Mais voilà, par exemple, si tu veux streamer, par exemple, de Jean Shadow, il n'y a aucun problème. Cependant, attention, il faut prendre en compte que la caméra prend beaucoup d'upload. Donc, il faut quand même une connexion un peu solide. Sinon, il n'y a aucun problème pour streamer. Sinon, tu fais la technique aussi qui existe, qui est que tu streams la caméra depuis ton PC local et tu joues à ton jeu depuis ton Shadow. Les webcams qui figent, c'est en cours de solutionnement. Bah, je pense, justement, quand on parlait des problèmes de connexion, ça vient sans doute de ça. Et pour le prochain event, on n'en parle pas, mais on travaille aussi. Mais alors, Bonco, on esquive pas les questions, c'est juste que je n'avais pas vu. Bonco est stable, attention. Hein. C'est aussi ça, il faut que la cause soit suffisante en upload, encore une fois, et stable, Tanriel. Merci Vindex. Merci. Mr. Valkins, avec une co à 1 giga de chez Orange, 2 cams, c'est impossible sur XPX ou OBS. L'étude sur la consommation. Merci beaucoup, M. Valkins, de donner les petits liens de qualité. Le nouveau launcher est arrivé sur la box. Sera-t-il possible de ne plus passer par ce launcher et de démarrer directement sur sa VM comme avant ? En gros, est-ce que c'est possible de ne pas passer par le launcher, je suppose ? Non. Non, c'est important d'avoir un accès au launcher. Non, en fait, pourquoi ? Parce que je viens de prendre une décision plus produit que technique. Mais ça permet aussi de pouvoir vérifier certaines étapes pour la connexion, parce qu'on n'a aucune garantie que lors d'une session de jeu, que les paramètres vont être exactement les mêmes lors de la prochaine session de jeu. Et ce qu'on veut, c'est que vous essayez, enfin, vous réduire énormément les étapes de configuration. Donc, du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est une configuration dynamique. Et donc, on n'a aucune garantie que l'expérience va être la même entre deux expériences. C'est un checkpoint, finalement. Quoi. Exactement. C'est pour vérifier que tout se passe bien. Quoi. Voilà, tout bon. Pourquoi la box n'a pas du tout le nouveau launcher ? Alors, 79, c'est ce qu'on a dit, il va arriver. Le nouveau launcher sur... le nouveau launcher sur la Ghost. Question pas drôle, mais vous avez la main pour choisir de faire tourner les serveurs avec de l'électricité verte ? Alors, Gelven, c'est une question très intéressante et à laquelle d'ailleurs on va sans doute bientôt faire une vidéo qui devrait sortir d'ici. Oui, en fait, on va tourner normalement là ce mois-ci. À Amsterdam notamment, alors Amsterdam n'est pas représentatif de tous nos data centers, mais c'est ce qu'on, vers quoi on tend. Après, tous les data centers ne proposent pas ce genre de choses. Tout à fait, voilà. Je ne dis pas de bêtises, il me semble que ce data center utilise une énergie à 80%. Ils ont une norme, les Allemands qui leur. Non, les Hollandais plutôt. Ah. C'est mieux. Donc, mais... en gros, voilà, vous aurez toute l'information dans cette vidéo. Mais là, ce data center-là spécifiquement, par exemple, utilise 80% d'énergie verte pour sa consommation d'énergie. Et même pour la partie climatisation, il faut attention. Il ne faut pas produire. Enfin, c'est compliqué. Il y a des normes assez complexes et du coup, il faut les respecter. Voilà. Donc, ça, spécialement à Amsterdam, c'est comme ça. Le monde du data center. Il faut savoir aussi un truc qui est assez spécial, c'est que la salle est un peu plus chaude que les autres salles de data center qu'on a par exemple en France, qui réduit encore la consommation. La consommation au sein du data center, elle est extrêmement centralisée. C'est-à-dire qu'en gros, votre PC, quand il tourne, il lâche de l'énergie à toute berzingue. Ici, il n'y a pas d'énergie qui est perdue pour rien. Elle est toujours réutilisée, machin, bidule. Est-ce qu'on tend vers ça dans tous nos data centers et même est-ce que le monde du data center tend vers ça en général ? Bien évidemment, parce que la question écologique se pose de plus en plus dans le monde du DC. Et il y a de plus en plus de normes par rapport à ça. Et puis il y a aussi par exemple tout ce qui est, alors je sais que ça marche, c'est pas forcément de l'énergie verte, mais quand il y a un composant qui meurt dans un DC, eh bien il est totalement, c'est pas 100%, vous savez quand c'est impossible, mais non, on peut pas juste jeter les cartes graphiques. Où les composants, on est obligé de les décomposer, de recycler au maximum ce qu'on peut recycler, revendre certaines parties qui sont toujours fonctionnelles. Voilà. Mais on va faire une vidéo spécialement là-dessus, parce que c'est extrêmement intéressant comme question. Pour l'extra screen, il faut absolument utiliser l'alpha, mais c'est juste qu'en fait, on a décalé maintenant la bêta est devenue, comme on avait dit, plus une release candidate, c'est-à-dire qu'en fait, un endroit où vous n'êtes plus sécurisé. Il y a un super article avec Victor dans une... très belle blouse, je vous conseille de lire. Je n'ai été que le modèle, l'article a été écrit par quelqu'un de compétent. J'en ai marre d'être utilisé pour la beauté. C'est ça. Maudit visage. Maudit visage.
Donc voilà, je vous invite à lire ça, ça explique vraiment en détail pourquoi on a fait ça, mais en fait, si, ça n'a pas changé, c'est juste que maintenant il est en alpha à la place de la bêta, tout bonnement. Alors, deux questions intéressantes. Je devais devenir bio, ouais, moi je joue pas mal bio, je pense. Hein. Est-il possible que la VM Windows adapte automatiquement la résolution et fréquence de rafraîchissement en fonction du client qui se connecte à Shadow? Oui, on est en train de travailler dessus. Et on veut le simplifier. L'idée, c'est même de pouvoir, dans ce fameux quick menu, de pouvoir changer la résolution directement et qu'on se débrouille avec tout ça. En gros, si on devait vulgariser, c'est qu'en gros, ça s'adapte à ta connexion. Oui. Voilà, de manière dynamique, un peu comme Netflix. Le launcher bêta, il y a un mode TCP. Cette option supporte une connexion Internet en agrégation. Alors, est-ce que tu pouvais traduire un peu cette question pour les gens? C'est en fait qu'on a deux connexions. On fait une connexion, enfin, on agrège. Je ne suis pas sûr que l'authentification te permette de pouvoir le faire. Donc, j'ai envie de répondre non, mais à vérifier. Il faut tester, mais j'ai envie de répondre non. Et si on branche sa ghost avec l'alimentation de la box, ça craint brancher toujours le. Ça grille. Ça grille, oui, c'est là. Donc brancher. Il y en a qui s'est arrivé et ils ont eu des problèmes. Voilà. C'est grillé. Cela dit, il est très rapide. Des news de la mâche des futurs CPU CG. On y travaille. Tout, voilà, toujours pareil. C'est exactement comme le stockage, on y travaille. Il y a une équipe rien que pour ça. Bonsoir, j'aurais aimé continuer l'aventure Shadow, mais à quand du stockage supplémentaire, s'il vous plaît? Pareil, toujours pareil. Il y a une équipe rien que pour ça. Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, je sais que c'est compliqué. Vous imaginez pas à quel point ça l'est pour nous. Mmh. Et vous doutez bien que c'est le quand vous arrêtez pas de nous dire le stockage supplémentaire, on se dit on va les faire, on va aller travailler sur le quick menu. On va pas les écouter. C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps à mettre en place, à trouver une solution, à ne plus avoir ces problèmes. Donc voilà, c'est une solution viable en fait, parce qu'on pourrait en fait acheter du stockage, en acheter. Oui, mais ça entre le taux de. Entre déjà c'est cher de une, de deux, le temps d'approvisionnement, ce qui fait qu'en fait on ferait des batches de 100 personnes tous les 4 mois. Enfin, voilà. Ouais. Il faut qu'on trouve une solution qui est viable. Énormément de temps. Et cela dit, on a des bonnes pistes, mais il faut toujours les creuser quoi, parce que c'est tellement important. En fait, pour vous faire une histoire légèrement résumée, à une époque on avait changé de système de stockage, les plus anciens le savent, et on avait testé plusieurs solutions. Ça avait été extrêmement coûteux et surtout en fait c'est pas un truc où on peut se permettre de faire des tests pendant 1000 ans, on l'a appris rapidement. En fait il faut tester des choses et être sûr que si on la déploie dans la totalité ça va fonctionner. Demandez parce que c'est aux anciens, ils vous diront que au début les problèmes de stockage étaient très très compliqués. Oui, parce que voilà, mais en fait c'est pour ça que en fait on travaille à une solution. C'est un peu comme c'est un peu une nouvelle stratégie qu'on a chez Shadow et vous l'avez sans doute vu. On ne veut plus juste pour des sujets aussi fat, aussi importants, tenter plein de trucs tout le temps et ensuite mais à grande échelle et en fait tout de suite faire genre on choisit ça. Parce que ça, c'est une source de mécontentement pour beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on préfère décider de réfléchir longtemps à la décision, la bonne décision à prendre, travailler dessus à fond pour ensuite l'avancer. Chromatique non, puisque John Mobile, donc pour nous, c'est la meilleure des consoles portables. Les phrases marrantes ont disparu lors du lancement du launcher. Où sont-ils passés? Malheureusement, le launcher est tellement rapide qu'il n'y a plus besoin de phrases pour compenser en fait les passages marrants. Mais peut-être qu'on fera des petites histoires comme ça. Ça fera très plaisir à Yanis. Oui, aime beaucoup aussi. C'est ça. Bah, en plus, moi, je les avais écrits avec Yanis et Ness à l'époque, ce qui était grave cool. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup sens, quoi. En vrai, c'est beaucoup trop rapide. J'imagine que c'est dur d'avoir de la visée sur l'impact des nouveaux acteurs du cloud gaming pour nous, mais du quid du prix de l'abonnement si en face c'est très accessible. Alors, ça va. On s'en fout déjà de une. Ce que font les autres, déjà on s'en fout et vous le savez, c'est pas une nouveauté. Non, mais c'est pas la même chose en fait. Non, mais même si c'est pas la même chose, tu vois, est-ce que oui, si eux se mettent moins cher, est-ce que vous allez faire moins cher? Déjà, on veut toujours essayer de le moins cher possible, c'est évident. De deux, c'est pas parce qu'un mec débarque et qu'il fait une offre à 1€ qu'il faut forcément devenir à 1€. Parce que on n'a pas la même stratégie, on n'a pas la même vision de la chose. On offre pas la même chose, tout bonnement. C'est ça. Enfin, regarde, tu prends comment ça s'appelle, GeForce Now, qui est gratuit depuis je sais pas un truc, qui est toujours en bêta. Voilà, c'est pas pour autant que on va s'aligner là-dessus, de une. Et puis de deux, voilà, t'as raison, c'est pas la même chose. C'est pas. En fait, on reste toujours moins cher qu'un PC gamer avec la config qu'on a. Point. Ils ont été toujours à jour et voilà. Donc non, il y a pas là aujourd'hui pas spécialement d'alignement. Dans le futur, c'est une possibilité, évidemment. Ça, c'est pas du tout un problème. Il y aura peut-être un alignement vers le bas, mais on va pas non plus on va se stresser par rapport à ça. En fait, si on prend cette décision, ce sera d'une stratégie marketing pour augmenter notre volume client et non pas dans une vision de concurrence. Phrase de communication et de marketing. La manette, on en a efficace. Parlé, Smoker, normalement. On y travaille. Si tu as un problème sur la manette, je pense qu'il va falloir contacte-moi sur Discord, Arnaud, et on regardera. L'idée là, c'est d'essayer de recenser les problèmes que vous avez avec les manettes et de les corriger. Mais effectivement, c'est un sujet comme le micro où vous avez fait pas mal de retours et du coup, on y travaille. Donc, si vous avez des retours sur les manettes, tout comme le micro qui ne marche pas, je suis preneur.
Correction des bavures de couleur, ça avance, point d'interrogation. Encore une fois, ce problème-là est lié à un problème lié au codec. Donc, du coup, ça veut dire créer notre propre codec, c'est compliqué. Pour être très précis, le système d'encodage de couleurs, encodé de manière hardware et décodé de manière hardware, donc par des puces, on ne peut pas y toucher parce que c'est des puces, donc c'est hardware, donc malheureusement, on ne peut pas changer ça. Donc on réfléchit à faire quelque chose de software, puisque là pour le coup on peut mettre ce qu'on veut comme codec et comme système de couleurs. Ça veut juste faire son propre codec quoi. Ouais voilà. Ça va. Ça va. et donc là on pourrait le faire en software. Mais si on le fait en software, ça veut dire qu'on va consommer du CPU chez vous et potentiellement allumer votre ventilateur, faire du bruit et vous allez potentiellement râler. Mais on y réfléchit, très honnêtement on y réfléchit, y compris pour la V1. Après entre la V1 et 265 à partir... sur des faibles connexions, on peut voir un peu de différence. La V1 est légèrement au-dessus. Il y a une étude qui a été faite à ce sujet où ils comparent le VP9, la V1, le 265, le 264. Effectivement, sur les connexions à 10, il y a une différence où le 265 est un peu au-dessus du VP9 et que la V1 est un peu au-dessus du 265. Après 20-30, c'est quasiment invisible. Et après 35, le 264 suffit amplement. Et en plus, le 264 n'ajoute pas de latence. Donc autant utiliser le 265. Et je pense que 10% des gens ont compris ce que on demande codec à l'heure prévue, donc je réponds. Oui, Smoker TV 24, oui, tu es peut-être pas, il dit qu'il n'est pas encore souscrit là. Oui, manette Xbox fonctionne parfaitement, c'est aucun problème. Oui, bien sûr. Au niveau de l'encodeur, vous en êtes où vis-à-vis de la colorimétrie? C'est un peu la même. Ah oui, même réponse. Oui. Même réponse. C'est lié au hardware. Donc si on le fait, on le fait en software. Non. Et si on le fait en software, ça veut dire qu'on va consommer le CPU sur votre shadow et sur votre local. Le site d'abonnement ne marche plus. Qu'il y en ait trop, il n'y a pas de problème de site actuellement, je crois pas. Donc ça serait étonnant. En fait, les problèmes qu'on a eu, c'est les problèmes que tout le monde a eu, parce qu'il y a un acteur sur le marché qui permet de protéger les sites web des attaques. Ah, le truc récent là qu'il y a eu là. Voilà. En fait, on en a souvent, mais malheureusement, c'est Discord aussi, Amazon aussi. Oui, donc, Facebook, Twitter, voilà, tout le monde. Voilà. Cloudflare, exactement. Exactement. Question, les gens qui travaillent pour Shadow ont-ils un Shadow gratuit? Bien heureusement. Vert en cours d'étude. Alors bon, il y a eu un test qui valait ce qu'il valait il n'y a pas longtemps. Sinon, non, il n'y a pas plus d'avancement sur la VR que ça. Un jour, serait-il possible d'avoir une ISO avec le client unifié plutôt que d'avoir un Windows plus le client sur un vieux PC? Ça peut être pas mal d'avoir directement le système. Oui, bah, c'est un peu le concept de la Ghost. Hein. Maintenant, si vous voulez une ISO Linux qui est tout intégré, pourquoi pas? Mais est-ce qu'au final, la Ghost n'est pas mieux On préfère travailler sur la Ghost plutôt que de faire là-dessus, mais c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Guillaume FR a raison. Kylian, essaye de te connecter sur un autre navigateur. C'est peut-être un problème de navigateur. On va encore prendre une ou deux questions et ensuite on va vous laisser, les petits loulous. Une version Raspberry. Oui, il faudra qu'on le fasse à un de ces jours. Parce qu'il y a des nouveaux Raspberry qui peuvent supporter Shadow, il me semble, maintenant. Disons que les nouveaux Raspberry sont plus puissants. Maintenant, et encore une fois, il faut... faut tester. Faut coder, surtout, malheureusement. Je ne sais pas si cette idée était proposée, mais créer une clé USB qui pourrait nous permettre d'utiliser Shadow sans l'installer sur le PC local. C'est cher pour un usage assez limité. En vrai. Oui, autant rester sur PC local, non? Oui, parce qu'en plus... Si tu es abonné, je veux dire. Oui, enfin... puis en plus, techniquement, si tu veux utiliser Shadow, il faut que tu aies une connexion Internet. Donc tu peux télécharger. Même Spotify ne le fait pas parce que c'est des choses effectivement où on n'a pas envie d'installer après, ça peut être, Shadow sur tous les PC du monde si on est chez quelqu'un et qu'on a juste envie de jouer. Après ça peut être pratique si tu as le coup du firewall, tout ça genre de choses que je peux comprendre pour les étudiants. Oui, pour l'installation, oui. C'est oui. Plus ça, tu vois. Oui, je vois. Mais c'est assez de niche, on va dire. On est où sur le laser géant? Ça avance. On a acheté les plaques. Ouais, faut en acheter des plaques. Hein. Puis la suite des rivets, j'imaginais même pas le nombre de rivets. La suite des tutoriels vidéo arrive quand donc, mon bon Victor. Alors, il y a eu donc trois vidéos tutoriels qui sont sorties. Ouais, c'est vrai, Victor, les vidéos là. Hop. Alors, les trois vidéos. Il n'y a pas de technique dans la vie, les vidéos, on est où là? Les trois vidéos, c'est pas moi qui les fais donc. C'est bien malin d'aller sortir une heure pour aller vendre du Shadow, mais. Vrai, mais c'est pas moi qui les fais. Donc, il y a eu trois vidéos qui sont sorties. Il me semble, si pas de bêtises, qu'il en reste. 6 qui doivent sortir, si je ne dis pas de bêtises, qui sont donc réalisés, montés par Léo. Léo, qui est donc la personne qui était notre réalisateur pendant longtemps, Léo est un petit peu occupé puisqu'il fait juste un vrai film de cinéma avec des vraies actrices de cinéma célèbres. Donc il les sortira quand il pourra. Il fait un film qui va sortir au cinéma, réellement, dans plein de cinémas. Donc il a un petit peu de taf, le loulou.
Mais voilà, et c'est toujours dans les cartons, évidemment. Ça coûte combien de développer Shadow sur un nouveau device? C'est une très bonne remarque, mais ça dépend du device. Et c'est compliqué à calculer. En fait, ça dépend vraiment des problématiques techniques et on ne sait jamais tant qu'on n'a pas commencé, plus ou moins. Le retour de l'achat de Ghost prévu pour quand? Donc les précommandes sont toujours, celles qui ont été précommandées sont toujours prévues pour arriver en fin août, il me semble. Pour le reste, pas de nouvelles pour le moment. Léo est un acteur de cinéma, c'est un réalisateur, c'est encore plus beau qu'un acteur. Où peut-on trouver les fonctionnalités ajoutées sur l'alpha? J'hésite à passer dessus. C'est une très bonne remarque, ça. Et je ne sais pas répondre, tu sais. Est-ce qu'on a, grosso modo, sur l'alpha, une liste des fonctionnalités qui sont en cours en ce moment sur l'alpha? Il ne me semble pas, mais c'est ce qui est aussi prévu avec un Je autre pense qu'il y projet a un plus tard. canal sur Discord, si je ne dis pas Oui. de bêtises. Sur Et Discord, tu peux les avoir, tout à l'alpha, fait. on ne peut que passer par Discord pour l'avoir, parce que le but, c'est de pouvoir être sûr et certain que vous avez la communauté qui va vous aider. Parce que sans la communauté, l'alpha peut être un petit peu risqué. Donc, du coup, Donc voilà, voilà. va sur Discord, tu auras le lien du Discord. Si quelqu'un peut donner le lien du Discord, ce serait amical de sa part. Voilà, donc va sur le Discord, ça se pourra que tu pourras et rejoindre l'alpha d'un côté, et en plus de ça, Et du coup, je pense que les personnes sur savoir Discord ce qu'il y a dedans. t'aideront Oui. étudiants, mais principalement l'extra screen. Oui, surtout qu'en plus, il y a beaucoup. Il y a notamment Loïc qui est là pour en discuter, qui est un développeur Merci de chez nous. Alpha. Merci beaucoup, Elfamoso. Bon, allez, une dernière question. Et. Hein? Le produit Loïc, c'est pas un développeur. Oui, mais il développe un petit peu. Un petit peu. Oui, il est quand même un peu développeur, Ok. même s'il est au produit. Ok. Alors, une dernière question et ensuite on va y aller. Donc, allez-y, on vous écoute. Surtout, prenez votre temps. Tout comme t'as le Thunder One sur ton téléphone. Bien sûr. D'accord, ok. C'est le plus beau en même temps. Mais c'est pas faux. Ah, mouille, pas mal. Bonjour, tout va bien de mon côté. Shadow marche impeccable, je suis très satisfait de votre service. Continuez comme ça. Merci beaucoup à Tom. Elle est bonne ton eau. Ah, une vraie dernière question, tout de suite. Peut-on utiliser le Mars? Les ventes se portent comment? Vous avez arrêté la com dessus. Alors, Chromatique, c'est une très bonne question. Comment se portent les ventes? Les ventes aujourd'hui, elles sont toujours croissantes. On communique pas trop parce qu'en fait, on veut préparer enfin, des vraies campagnes même. Être sûr d'avoir une infrastructure technique qui tiendra le coup, tout simplement. Mettre plus de serveurs. Voilà, mettre plus de serveurs. Donc on prépare. En fait, on prépare l'artillerie lourde, si on devait résumer ça techniquement. Donc la croissance est toujours très très bonne, ne vous inquiétez pas, on se porte très bien. Mais du coup, voilà, on prévoit le lourd. À prévoir les activations en avance. Non, les activations. Le but de l'opération, c'est justement que les activations soient peu impactées, ou si elles soient impactées, qu'on ait un bon moyen, enfin qu'on ait un bon processus de communication dessus. Après, Ce qu'on n'avait pas avant, par exemple. ouais, c'est difficile. Nous, on fait des offres, on les lance, et après, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et des fois ça marche trop bien. Voilà. C'est Donc, pour ça que en fait, là, l'idée qu'on a, c'est que en espérant qu'il n'y ait pas de temps d'activation, et s'il y en a, que tu reçois un mail qui te dit précisément, tu vas on être activé. est. Voilà. En fait, tu vas être On a activé envoyé dans. Victor dans Voilà. un data center, Voilà. il a son Voilà. tournevis, Tu vas être il bosse. être activé dans 3, 4, 5. En fait, être vachement précis et avoir un vrai suivi de l'activation. Plutôt que vous laisser dans le flou. Parce que avoir du délai d'activation, c'est pas un problème tant qu'il y a de l'information derrière. Êtes-vous rentable aujourd'hui? Toujours pas, et c'est pas le but de l'opération, puisque nous sommes toujours une start-up. À quand le shop de Shadow? Des mois qu'on le demande. Le shop de Shadow, on a d'autres priorités malheureusement. Et vous savez que ça me peine, parce que j'adorais aussi avoir un super shop Shadow. Malheureusement, c'est loin d'être la Je priorité. t'imaginais à ton comptoir. C'en est où le déploiement mondial? La promesse de Manu. Alors, pas mondial, déjà États-Unis, Europe. OT. Ça fait partie notamment de se préparer à foncer comme des porcs. 5 euros 5 jours, non, c'est pas le but. Non, non, C'était pas pratique. Pour vous comme pour nous. alors que maintenant il y a le mois d'essai. Le mois Qui d'essai, ça? c'est beaucoup plus simple. Qui sont les chefs de Shadow? Alors bon, très rapidement, Emmanuel Freund, Stéphane Elio et Asher Kagan, qui sont des fous. Même quand vous serez 300 employés, vous serez une startup. Une startup, par définition, alors c'est ma définition, ça peut être très personnel. Une startup, c'est une entreprise dans le domaine de la technologie qui n'est pas rentable et qui est supportée par des fonds privés d'investisseurs ou même parfois des fonds publics. Google pendant 10 ans a été une start-up. Facebook pendant 10 ans n'a pas été rentable non plus.
On peut appeler ça une licorne si tu veux, Mathieu Conin. Voilà, je pense que ça rentre. Les deux fonctionnent. Une licorne, c'est pas la même chose. Une licorne, c'est un montant que la start-up atteint. C'est une valorisation. Voilà, la vraie définition, c'est une entreprise à fort potentiel. Voilà. Moi, c'est, après, je vous dis, c'est ma vision du truc, hein, évidemment. Mais voilà, donc non, même quand on sera, même si l'année prochaine on est 500, on pourrait ne pas être rentable et on serait toujours une start-up, selon moi. Voilà. On est bon, je pense. À moins, à moins qu'il y ait une dernière question et qu'il te pop les yeux, je pense que c'était, c'était complet. Licorne, c'est une start-up non, non cotée valorisée à 1 milliard. C'est ça. 1 milliard ? Oui, c'est ça. Oui. 1 milliard, d'accord. Oui. Bah, au moins, je me coucherai, moi, bête. Écoutez. La start-up qui tient le record, c'est une start-up de trottinette. Sérieusement ? 9 mois. En 9 mois, il valait 1 milliard. Joli. Bon, allez. On vous fait des gros bisous. On se dit donc jeudi prochain pour un Inside Shadow. Rappelez-vous, hein, le Shadow News, c'est une semaine sur deux. C'est je ne sais pas encore. D'accord, ok. Je ne sais pas encore, il y a plein de gens qui m'ont. Je me demande si ça va pas être soit Yann, parce qu'on ne l'a jamais proprement présenté. Lequel ? Yann, mon boss. Ah oui, d'accord. Ou alors peut-être aussi Reeds, qui est débarqué. Moi, j'ai Yann aussi, Yann. Oui, mais Yann. Oui. Yann. Oui, Yann, pas oui. Yann, Yann. Oui, oui, yeah, oui. D'accord, oui, oui. Donc tu vois. On est bien d'accord. Voilà. Et on se retrouve donc lundi matin pour un Shadow Morning de qualité. Voilà. Donc, comme toujours. Heureusement, j'espère en tout cas. Donc, des gros bisous et on se dit donc à la semaine prochaine. Bye. Bye, des bisous.